de calme. Et quand je suis revenue, j'ai pris la décision de faire des choix. Et le choix que j'ai fait, c'est de quitter ma position bien confortable chez Alstom pour m'occuper de mon maison. J'ai pas encore de poste, mais je me dis, on y arrive. Donc votre maison d'édition, il y a un objectif aussi. Oui, l'objectif, c'est de publier des histoires vécues, mais toujours qui finissent bien, tournées vers l'espoir. Voilà, positif, exactement. Mais justement, le problème, c'est que j'ai eu énormément de manuscrits, mais j'ai aussi eu des histoires formidables, mais les gens ne sont pas toujours prêts ou capables d'écrire leur histoire. Par contre, venir avec moi, par exemple, Christine, elle vient souvent témoigner avec moi, je veux dire, en conférence, dans les écoles, et ça se passe super bien. Mais, comme elle dit, écrire un livre, moi, je ne saurais pas. Donc, le témoignage oral, finalement, est très bien aussi, d'où l'association Succès. Et la maison d'édition est là pour publier des histoires vécues. Merci. Mais vous allez rester oui, hein. Participer, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a oui, bien sûr. Aussi voir avec Christine. De Monsieur le Bourgmestre, représenté aujourd'hui par Madame Toussaint. Donc je tiens à remercier la ville de Châtelet ainsi que la police qui est présente aujourd'hui pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette marche rouge. Et de dire non avec moi à la libération de Paulomé Freddy. Parce que bon, je ne suis pas contre toutes les pannes incompressibles et les libérations comme ça et les ports de bracelets. Mais ici, c'est un individu vraiment qui ne mérite pas de sortir. Et s'il sort, je crains qu'il mette ses menaces à exécution. C'est-à-dire continuer le travail qu'il a commencé et me tuer. Il est avec un Yuri et que cette personne a vu qu'il était mal et que c'était lui qui allait me tuer. Puis Yuri, il n'y a personne qu'il connaît, il ne s'est rien donné de détails sur lui, ni son nom de famille, ni rien, sauf qu'il lui ressemble, il a les mêmes cheveux, les mêmes yeux. Donc y a-t-il le bon Freddy et le mauvais Yuri? Il me disait si je ne voulais pas le rendre, avant Noël, il aurait tué un de mes enfants. Donc comment reprendre quelqu'un ainsi et comment... Vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce que vitrioler quelqu'un? C'est vouloir effacer son visage. Effacer, encore isoler, dénigrer, pour que la personne n'ait plus de vie sociale et ne se sente exclue dans tout. Donc dans ses menaces, il disait qu'il serait mon pire cauchemar et que je le payerais toute ma vie. Et ça, il a réussi. Je le paye tous les jours. Tous les jours en souffrance et avec la peur de sa sortie. Il m'a regardé monter la rue de loin, on voit bien, et n'a pas hésité à me le jeter. C'était un acte prémédité, planifié. Puisqu'il avait soldé ses comptes, il avait ses bagages dans la voiture pour aller en France et il avait le produit avec la souche de Picasso. Est-ce que ça vaut la peine de les faire s'il sort et qu'il me tue? Je dois encore recommencer à souffrir ou j'essaie de profiter un petit peu de ma liberté? Bon, depuis, moi j'ai perdu ma vie sociale, mon travail que j'aimais bien, mes revenus. Je suis handicapée, mais j'essaye de vivre le plus normalement possible et de profiter de tout ce que je sais. J'essaye de ne pas trop dépendre. Je fais mon possible pour tout et essayer de profiter comme je sais de la vie. Tant que je sais qu'il est en prison. Après, je ne sais pas ce que j'oserai faire de mon chien quand je serai à la maison, avec ma maison qui fait le coin, qui n'est pas entre deux. J'oserai ouvrir la porte le soir en pensant qu'il est caché derrière et
quoi. Je ne sais pas. Bon, on m'a demandé de mettre un périmètre de sécurité pour les mesures alternatives. J'ai dit, Florent Châtelineau, puisque j'y suis, Châtelet, Charleroi et Nivelles. Mais moi, je pensais naïvement que le périmètre, on mettait comme un compas, on faisait le tour et j'avais toute la distance. Les trois villes, c'est là où je suis censée être en sécurité et lui, il a le reste de la Belgique. Madame Toussaint qui voudrait également vous dire un petit mot. Merci de votre attention, c'était très émouvant. Merci Christine pour ton courage. Chère Christine, mesdames et messieurs, c'est avec une vive émotion que je me joins à vous en qualité de bourgmestre faisant fonction et donc représentante de l'autorité communale de la ville de Châtelet, qui a apporté à cette manifestation tout son soutien. Et le fait que je sois une femme exacerbe d'autant plus ma sensibilité à ce qui vous est arrivé, Christine, et à la violence en général envers les femmes. Et cette violence, on la connaît. Si ce n'est chez soi, eh bien elle a lieu. Madame Toussaint. J'appelle maintenant Madame Taquin qui souhaite également nous dire un petit mot. Merci. Bonjour à tous. Merci à vous d'être aussi nombreux pour soutenir Christine. Je ne serai pas longue parce que je crois que je suis très émotive. Le principal a été dit, et elles ont parlé aussi bien Christine que Madame Toussaint avec leur cœur de femme. Je veux simplement dire, j'aurais dû préparer un discours, mais je crois qu'il n'y a pas de mots pour ce genre de choses. L'être humain est capable du meilleur, nous le savons, mais il est aussi capable du pire. Christine en est la preuve vivante. Outrepasser les mesures alternatives, il s'est approché du domicile de Christine, il l'épiait. Il lui envoyait des messages en lui disant comment elle était habillée. Il ne pouvait le savoir que parce qu'il était à quelques mètres d'elle, alors qu'il était interdit de s'approcher. Donc cet homme n'en a rien à fiche. Et s'il ne se rapproche pas de Christine, il trouvera une autre proie qu'il tuera peut-être. Et ça peut nous arriver à nous aussi demain. Et c'est pour ça qu'il faut descendre dans la rue. Alors je suis d'accord, les lois ne se font peut-être pas. Je suis encore en plein dedans avec trois petites filles qui reçoivent des menaces directes de leur père. Et on doit tous être ensemble pour combattre toute cette violence. Et moi, la petite phrase qui me porte toujours, c'est « quand on veut, on peut », qui est la phrase de Betty. Et c'est ça qui m'a rapprochée de Betty aussi. C'est-à-dire, cette croyance-là, je l'ai. Et je sais qu'avec cette croyance-là, j'arriverai toujours au bout de ce que je veux faire. Merci à tous. Je veux simplement vous dire merci à tous qui êtes venus soutenir ma fille chérie et j'espère que votre mobilisation fera réfléchir les personnes qui ont la possibilité, qui vont décider si oui ou non ils vont remettre en liberté cet ignoble individu qui est dangereux pour ma fille, mais pour n'importe qui. En tout cas, les personnes qui décideraient de le libérer, ils prennent une lourde responsabilité, qu'ils réfléchissent à ça. Et je pense que tout le monde ici, s'il sort, ça va être dramatique. Et pour les personnes qui vont décider ça, je les plains s'il arrive quelque chose. Merci beaucoup. Ben voilà Christine, c'est très émouvant d'être ici pour toi. Mais en tant qu'ancienne victime, ben, tu me donnes la larme à l'œil. Ben,
Madame aussi, d'ailleurs, elle a été très, très émouvante. Je me fais encore manipuler ici ces derniers jours. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais par mon ex-mari, pour plein de choses. Mais maintenant, je suis fière parce que, quelque part, il vient, il me dit « tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme là ». Je dis non, non, maintenant j'ose dire non, c'est non, c'est moi qui mets les règles maintenant à la maison. Je suis toute seule, enfin je suis avec mon fils et maintenant c'est moi qui mets les règles. C'est bon. De toute façon, Christine, tu es là et tu resteras encore longtemps avec nous parce que s'il faut qu'on descende dans le tribunal, s'il faut qu'on descende à Bruxelles, on sera le double, le triple, on sera 10 fois plus, mais on ne te laissera pas tomber. Et Patricia, c'est la même chose, c'est comme ça pour toutes les victimes. Il faut que les représentants se rendent compte qu'il ne faut plus laisser cette violence. Moi, j'ai subi ça pendant 15 ans. Non, stop! En tant qu'amie de Christine, je l'ai vu qu'elle sortait de l'hôpital à Lyon. Elle était complètement détruite physiquement et surtout moralement. J'ai vu comment elle est revenue maintenant et ce serait une grande injustice qu'elle doive maintenant rester enfermée chez elle par peur de la violence d'un, pardonnez-moi, connard. Je suis là aussi pour une deuxième chose, c'est parce que je suis un ancien brûlé. Et je peux vous assurer que je ne souhaite à personne d'avoir été brûlé. J'étais brûlé à 50% sur tout le corps. J'ai eu de la chance, j'ai rien à la figure. Mais c'est un combat de tous les jours. Il y a 11 ans et je prends toujours des antidouleurs. J'ai toujours de la kiné tous les jours. Je sais ce qui attend Christine. Et c'est quelque chose qu'on ne peut infliger à personne. Moi, c'est un accident. Elle, c'est un acte volontaire. Ne l'oubliez pas. Merci. Excusez-moi si je suis ému, mais je connais Christine depuis quelques années. Lui passe un coup de fil de temps en temps. J'admire son courage. Mais moi, pour moi, un homme qui touche une femme et qui fait ce qu'il a fait Christine en plus, ce n'est pas un homme. Je n'ai que ça à vous dire. Et courage, Christine. Moi aussi, quand je suis arrivée à l'ASBL Succès, j'étais quasiment en contact maintenant. Je suis la fontaine de l'ASBL. Voilà, moi je connais Christine. Par son courage, pas par son passé, mais par son courage. Elle m'apporte énormément. Et en tant que victime, je peux dire qu'une fois que vous avez connu la violence faite par un homme, vous n'en sortez jamais. Vous avez toujours peur parce que les mesures prises par les hauts politiciens, par la justice, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à la peur qu'on a. Moi, j'ai dû me battre pour garder mon fils parce qu'on me responsabilisait, parce que j'étais une victime et que je prendrai la parole, mais je m'y mets. Et je dois dire que si je m'y mets, j'ai été victime de violence. Je l'ai enfoui au plus profond de moi. Ici maintenant, ma fille a commencé une ASBL et beaucoup de choses me reviennent, mais ça me fait du bien parce qu'on peut en parler. Et je crois que le principal pour toutes ces victimes, c'est de pouvoir en parler et d'être écouté. Voilà. Et je souhaite beaucoup de succès, du courage. Voici Nadine, mon bras droit. Voici Nadine, mon bras droit. Mon bras gauche aussi parfois. Aujourd'hui, ça serait plutôt mon orteil. Bon, moi, je voulais simplement dire que c'est très important de soutenir l'ASBL, parce que c'est grâce à l'ASBL que Christine est soutenue aussi.
et qu'elle sentira ses forces décuplées. Je voulais vous remercier d'être là tous, ça fait vraiment très plaisir. Et je voulais aussi dire à quel point je suis fier de ma maman quand je vois tout ce qu'elle a parcouru et qu'elle est là et que c'est la maman la plus formidable du monde. Merci à tous. Poussez. Si vous n'avez pas signé la pétition, il y a des feuilles de papier pour la signer devant la maison. Pour ceux qui n'ont pas internet, voilà, qui n'ont pas eu le temps. Merci. Papa. Alors, on a du petit rond, on a au courgette, on a rond-point. Voilà, donc vous trouverez bien votre bonheur. Hein. Ah j'avais téléphoné pour le petit une fois, mais... Absolument. Mais c'est gentil. Ouais, c'est vrai que c'est gentil. C'est très gentil. Comme je sois, je bois beaucoup d'eau pétillante. Ça c'est l'oignon, et ça c'est courgette. Oui, vous voulez je ne sais pas quoi. On a qu'on lit encore. Je